Je voudrais vous raconter cette histoire, laquelle vous connaissez déjà. Vous pourriez même peut-être à ce sujet en dire autant que moi. Vous avez appris ça petit, je le sais, vos parents connaissez bien. Vous ne passez pas près d'un crucifix sans même faire un signe de croix. Moi, mon Dieu a quitté la croix, il est ressuscité. Le troisième jour, on l'a cherché, mais la pierre était roulée. Moi, l'histoire, je l'ai oubliée, mais sa parole, elle est restée aujourd'hui dans ma vie. Connaissez-vous la différence qu'il y a entre l'histoire et la parole de Dieu? Il y a une différence. C'est que les gens d'aujourd'hui se souviennent de la mort de Jésus, se souviennent même de sa naissance, mais ils ont oublié sa résurrection. Et c'est là aujourd'hui pour nous le point essentiel, la résurrection de Jésus. Savez-vous que le troisième jour, Jésus est ressuscité? Et la parole nous déclare qu'il est parti auprès du Père nous préparer une place. C'est pour ça que Jésus aujourd'hui n'est plus sur la croix. Moi, mon Dieu a quitté la croix, il est ressuscité. Le troisième jour, on l'a cherché, mais la pierre était roulée. Moi, l'histoire, je l'ai oubliée, mais sa parole, elle est restée aujourd'hui dans ma vie. Je voudrais vous raconter cette histoire, laquelle vous connaissez déjà. Vous pourriez même peut-être à ce sujet en dire autant que moi. Vous avez appris ça petit, je le sais, vos parents connaissez bien. Vous ne passez pas près d'un crucifix sans même faire un signe de croix. Moi, mon Dieu a quitté la croix, il est ressuscité. Le troisième jour, on l'a cherché, mais la pierre était roulée. Moi, l'histoire, je l'ai oubliée, mais sa parole, elle est restée aujourd'hui dans ma vie.